Bonjour, je me présente, Julie Desroches, éducatrice spécialisée. En 2017, notre organisation s'est dotée d'un service d'accompagnement pour les TES. Mon mandat depuis est de vous accompagner dans vos pratiques avec les élèves. Bonjour, je suis Cynthia Tremblay, éducatrice spécialisée. Pendant 2 ans, j'ai eu le plaisir de faire équipe avec Julie pour accompagner les TES dans leur mandat. Bonjour, je suis Eliane Tanguay-Quentin, éducatrice spécialisée. À la prochaine rentrée scolaire, j'aurai le privilège de me joindre à l'équipe des services éducatifs de notre belle et grande organisation. Nous travaillons depuis plusieurs années comme TES et notre expérience diversifiée va nous permettre de vraiment bien comprendre votre réalité puis répondre à vos besoins. Dans le cadre de votre travail, vous serez appelé à travailler auprès de la clientèle HDR, en classe ordinaire ou en service spécialisé. Vous aurez à offrir du soutien direct à l'élève en répondant à leurs besoins, qui sont parfois très diversifiés, et en mettant en place différentes interventions qui favoriseront leur adaptation, leur autonomie, leur socialisation et leur réussite scolaire. Aussi, vous aurez du soutien à offrir aux enseignants, tout en collaborant dans le respect des rôles de chacun. La force de notre service est de vous offrir une proximité et d'être disponible pour vous soutenir et réfléchir avec vous. Notre intention est que vous vous sentiez soutenu et en confiance. Notre accompagnement peut se faire à différents niveaux, en vous aidant à mieux comprendre votre rôle en milieu scolaire, en vous offrant du soutien en lien avec la tâche de travail, en vous guidant sur les interventions à privilégier pour répondre aux besoins des élèves, et en vous partageant les meilleures pratiques afin de permettre aux élèves de vivre des parcours scolaires positifs et faire en sorte qu'ils évoluent dans des milieux inclusifs, sécuritaires et bienveillants. Dans notre travail, on met beaucoup d'énergie à faire rayonner la bienveillance pour que nos écoles soient sécuritaires puis que le climat soit agréable pour nos élèves. La bienveillance est aussi une valeur de notre organisation et c'est super important pour nous comme intervenants. Quand on est nouveau dans un milieu, il y a tellement de choses à apprendre. C'est vraiment rassurant de savoir qu'on peut faire appel à un collègue qui connaît notre travail, puis qui va pouvoir nous aider, puis nous outiller pour la suite des choses.